Diversiseringen, Mikikovit, vor Victoria, Chapus, La Souci. Aborchen en 7-6 pépira Soumalien, qui d'après rapport de TBC attaque un bateau la piston espagnol à la Kwanzu, la de l'OCCL, lundi. We were out on routine counter-piracy patrol. We were making our way towards the Seychelles when we were called by a Spanish, a member of the Seychelles tuna fishing fleet, one of the Spanish vessels, and they reported that they had were under attack from pirates. So we put our helicopter up. He identified the whaler and the skiff and was able to intervene. Sans l'attaque d'après rapport, il arrive à 400 000 nautiques nord-occidentales. Navy Royal dit qu'ils ont hélicoptère, tiré coup de feu pour avertir 76 pirates avant qu'ils bannent soldats à bord RAF Victoria, qui arrivait en cercle sa petit bateau, qui bannent 6 pirates qui peuvent servir pour faire ça l'attaque. Ce dit qu'il personne n'a pas blessé dans sa opération. Retourne ici, tu prends pause un aide pour faire bonne formalité nécessaire pour transférer 76 pirates ici. Finalement, bon Royal Marines anglais, c'est ce qu'on dit un par un et mis dans la main la police. Captain Northwood y croit qu'ils sont incapables de masser assez d'évidence pour mettre dans la main l'autorité CCL pour poursuivre 76 pirates. Once we'd captured the whaler and the skiff, we were able to detain the Somali pirates. But we were also able to confirm through photographic evidence from a maritime patrol aircraft that they had been carrying ladders and weapons, and they had been photographed ditching or putting over the side those that pirate paraphernalia. And we also had, of course, the reports from the Spanish vessel that it was under attack. Saman piratin gaya mene ici en bain l'accord partenariat entre CCL et Grande-Bretagne aux commissions britanniques qui dit que le gouvernement CCL inaccepté Saman suspect à cause de l'OTPC fait un attaque directe sur l'économie pays et ça, ils sont l'industrie de la pêche. The idea of this is that it's similar to the EU-NAVFOR agreement. What the Fort Victoria managed to do, as the captains explained, is to prevent an attack on a vessel that was servicing the fishing fleet, which is based in the Seychelles. So it was a direct attack on the Seychelles economy, if you like, which is why the Seychelles readily agreed to take these pirates and to put them through the court system here, which obviously we're very pleased that they are able to do that. Dans un communiqué de la presse, le ministre des Affaires internes, environnement et transport, M. Joël Morgan, il aussi souligne le fait qu'il s'agit d'une menace pour l'industrie de la pêche. Il dit qu'il paraît que c'est une affaire claire dans le passé, ça met en action l'agression, pas pour gagner toléré, et c'est celle pour prendre son responsabilité pour protéger son bon intérêt économique et bon du monde qui travaille dans le secteur maritime. Et il pourra mener sa bonne suspect devant la justice. Il dit qu'il s'agit de reconnaître un partenaire qui partage son engagement tel qu'il est Navy britannique.